Eh bien, bonjour tout le monde, ici Chanceux, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau petit podcast. Et ça va être sur les tatous aujourd'hui. You can get the biggest Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they sucked it up, I got them on it. I bought a new paddock, I had the white, so I two-toned them. Taking these drawers, I'm gonna be up until the morning. Alors c'est ça, comme je l'ai dit dans le titre, oui je fais un petit podcast sur les tatous. Pourquoi j'en fais un? Parce que je me suis fait faire un nouveau tatou. Un nouveau, j'en avais jamais eu avant, mais c'est pas grave, j'en ai un. Oui, je vais vous le montrer là. Voici le fameux tatou du chanceux, Lucky! Alors oui, je me suis fait tatouer Lucky, c'est le nom de mon chien, parce que Lucky c'est vraiment l'être le plus cher pour moi. Alors c'est ça, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo tatou, parce que il y a des points positifs, mais il y a des points négatifs à se faire faire un tatou. Tout d'abord, parlons du positif. Faire un tatou, c'est beau. Oui, c'est beau, on peut se faire n'importe quoi. Tu peux te faire un dragon, tu peux te faire des fleurs, tu peux te faire écrire des choses. C'est vraiment beau. Mais par contre, là, écoute-moi. Tu vois ton oreille? Boum! Agrandis-la! Tiens bien ça. Le chanceux dit une chose essentielle de la vie. Si tu veux te faire faire un tatou, là, fais-toi quelque chose que t'aimes, qui tient vraiment à cœur. Parce que si tu fais pas quelque chose qui tient à cœur, mon père, mon chum, ma chérie, tu vas l'avoir toute la vie! Tu vas te pogner avec ça tout le temps, puis tu vas le regretter un moment donné, parce que tu vas dire, ouais, mais là, j'étais jeune, puis je me donnais pas, j'aime pas ça! Mais mon père, t'arrange-toi avec tes problèmes! Il n'y a pas vraiment de point possible que je pourrais dire. À part de dire que c'est beau avoir un tatou. Ah, je viens de trouver qu'est-ce que je viens de dire. Avoir un tatou, c'est aussi avoir une signification. Et la signification, ça, c'est très important. Ça peut être genre une tête de mort sur ton chest. Ça peut être une fleur sur tes fesses. C'est pas un mono-sourcil. S'il y a quelqu'un qui se fait ça, envoyez-moi une vidéo, je vous en supplie. Oh my god, je vous adorais. Mais c'est ça, mais... J'en peux plus. J'imagine vraiment une chenille. Tu vois une chenille dans mon front. Bon, de retour au sérieux. Alors, tous ces tatous-là, ils ont une signification pour la personne. Bon, tu peux trouver un tatou vraiment laid à quelqu'un. Mais avant, tu demandes, wow, deviens illuminé. Tu dis... Waouh, je regardais pas ça de ce point-là. Alors c'est ça, j'ai pas mal décrit tous les points positifs qu'un tatou pouvait amener. La vidéo va être courte. Mais bon, au moins j'ai fait une petite vidéo, hein, un petit peu de gain. Alors, les points négatifs. Tout d'abord, assurez-vous que vos parents et vos grands-parents soient d'accord avec vous si vous voulez faire un tatou. Parce que moi, ma grand-mère était pas très très d'accord. Et je l'avais pas avisé, j'avais avisé mon père, ma mère. J'allais me faire un tatou, moi j'ai quand même 19 ans là, pareil. Ouais, c'est pas grave. J'ai dit que oui, je vais me faire un petit tatou, je vais me faire un petit Lucky. Mais là, ma grand-mère, quand elle a su que j'allais me faire un tatou, elle m'a dit « Là, mon petit fils, là, je suis pas très content, parce que là, les tatous, c'est mal. C'est une mauvaise influence. Dans mon temps, les tatous, ça n'existait pas. Puis ça va influencer ton avenir, les tatous. » Alors, si vous êtes pas en accord avec votre grand-mère, c'est votre choix, là. Là, c'est pas mon problème, là, je vais dire « Wow, 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 wow. » Moi là, c'est pas mon problème là, si y a une malentendue entre vous là. Alors, excusez, mais écoutez votre grand-mère. Moi j'ai écouté ma grand-mère. Parce que quand tu te fais faire un tatou, au début ça fait mal. Parce que faire un tatou là, c'est comme si tu prenais un crayon là, pis tu pèserais fort, vraiment fort, mais vraiment fort sur ta peau. Pis c'est ça tout le long, toute la durée de ton tatou. Oh, ça fait mal. Genre je vous dis là, ouch, ça fait mal. Alors c'est ça, mais une fois que votre tatou est fini, vous en voulez un autre. Comme la drogue. La drogue, une fois que vous en prenez, vous en voulez tout le temps. Mais là, un tatou, c'est la même affaire. Moi, t'en veux un. Tu veux, on va faire un petit design à l'entour. Oh, ça va être beau, oui, oui. Mais là, comme ma grand-mère me dit, il faut que tu penses à ton âme. Que les tatous dans la société, c'est encore mal. C'est beau, oui, t'as beau avoir un tatou, mais avoir un job, tu vois-tu un avocat avec une tête de mort dans le front? Ouais, mais moi, je suis avocat, j'ai une tête de mort, alors non, c'est encore mal vu dans la société. Donc, si tu veux avoir un job plus tard, fais-toi au moins un tatou à quelque part où que ça n'est pas visible pour les fesses, sur le corps, le chest. Comme ça, au moins, t'auras des chances d'avoir un job. Mais ça, je vous dis ça, un conseil d'amis. C'est ma grand-mère qui me dit ça, mais moi je vous le transmets parce que je vous aime. Alors je pense que j'ai fait le tour sur les tatous. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo là. J'ai sûrement manqué plein d'informations encore, des détails que je m'en souviendrai pendant que je fais le montage, mais gars, c'est pas grave. Au pire, je ferais tatou numéro 2! non. Alors, c'est ça, tout le monde. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo-là. Et comme faut que je m'habitue à dire, n'hésitez pas à vous abonner! Oui, vous abonner! Et à laisser un petit pouce bleu ou rouge.
Alors, je vous en remercierai jamais d'avoir regardé cette petite vidéo-là, mais je veux pas dire partager, parce que si vous partagez, ben, je veux pas. Je veux pas. En même temps, je vais être populaire, mais en même temps, je veux pas que tout le monde sache que dans mes amis, j'ai une chaîne YouTube, je suis au flou. Moi, ça fait complètement raison. Alors, c'est pas mal tout. On se dit à la prochaine. Tchou!